panga mungu metala bande ko moni point noir subito le bio tout le monde ça va c'est bon donc gayeu tata ça sous la vidéo té mais à dimbolioté tu le vis parce que tu ne fous rien. Tu as vieilli, le temps était. Le temps est à la démission où tu dois céder. Tu dois céder le flambeau ou céder le témoin à quelqu'un d'autre. Voilà, parce que ce que nous voyons là, c'est pas normal. Regardez. Ça, c'est des avions de points noirs. Regardez. Les avions de points noirs. Ça, c'est. Voilà la vie de moi. C'est ce qu'est la vie. Avenue des esclaves. Ah, sur l'avenue des esclaves. Je crois que c'est compliqué. Ça, c'est le problème. Quand on dit que ça se ne fout rien, vous croyez que nous sommes contre lui. Regardez. Toute une avenue symbolique et historique. Non, historique. Et c'est comme si le Congo n'a jamais existé. C'est comme si. Allez, regardez les lignes de poules. Cette avenue avait été programmée d'être bitumée, bon, jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans. Hein. Ils ont posé la territe et voilà. Là, je me dirige vers Mayinga. C'est triste, ça c'est l'école, c'est pas le cas. Vous voyez ce que c'est le Congo? C'est triste. C'est ça le Congo. Un pays très sale. Et en plus, nous sommes dans la capitale économique, la ville pétrolière du Congo. Très pétrolière. Là où toutes les finances presque du Congo sont retirées. Regardez les conditions, regardez les nids de poules partout. Et de surcroît, ils veulent faire payer la taxe de roulage et la patente aux chauffeurs, aux pauvres chauffeurs qui circulent dans les conditions médiocres avec des goudrons qui se détériorent. Regarde, tout comme ça. Regardez, voilà. Et ça, c'est le Congo. C'est le Congo que Sassou est en train de nous construire. Nous promet vents et marées, pays émergent d'ici 2025, alors que nous sommes à 2 ans, une année, quelques mois, 10 ans de l'émergence promis. On va voir s'ils vont reporter ou ils vont tenir leurs promesses. Dans la lourde dans les choses, je ne pense pas. Nous serons dans les délais, mais bon, voyons voir. Ça avait été une promesse, mais on va voir. Allez, ça, c'est vrai. Simon, je suis dans un moyen de transport à point noir. Et voilà, je vous fais ce reportage. J'espère que les Congolais vont voir. C'est tout point noir qui est dans ces états-là. C'est tout point noir. On ne va pas épargner un quartier, c'est tout point noir. Regardez. Et les éboueurs sont là. Les éboueurs que M. Sassou à Paris avait dit, apprenez tout sauf être éboueur. Mais là, il y a des éboueurs. Voilà, vous allez voir. Les conditions de travail. Oh, grand prêtre, t'as gagné mon Averda. Averda. Tout est sale. Hein. Tout est sale pour Congo.
On nous a miroité de revenir au pays dans l'espoir que tout avait été fait, mais bon. Ce que je vois là, c'est comme si nous sommes repartis au 15e siècle. Je suis au quartier Mayinga. C'est dans le 6e arrondissement de Kangoyo. Voilà.